Avec le mouvement Colibri initié par Pierre Rabhi, la révolution des colibris est en marche. Pour son deuxième volet de l'opération « Planter ce que nous mangeons, on le fait », les colibris s'associent avec le mouvement des incroyables comestibles. Alors le 4 mai, c'est l'incroyable révolution. Chacun est appelé à faire de la ville, ou de son village, un immense jardin partagé, en plantant et récoltant les fruits du potager en libre service. Parce que le changement, c'est vous, c'est nous, et c'est à notre portée. Le dépoter. Encore un peu, hein. Allez. Donc ici, devant ta maison, Pierre, on plante un incroyable comestible, la nourriture à partager, pour inviter les colibris, inviter nos amis, voilà, à faire leur part également. Tout à fait. On va mettre la terre. Voilà, et puis on met le petit panneau nourriture à partager, et nous avons fait avec Pierre Rabhi notre petit bac devant la maison. Si chacun fait sa part, bien là, oui, on participe à changer le monde. Tout à fait. Voilà, alors Pierre, est-ce qu'on peut dire deux mots de cette invitation que tu lances, oui, aux colibris à participer aux incroyables comestibles cette année? Aujourd'hui, soit on admet, c'est-à-dire on consent au modèle tel qu'il est et on reste obéissant et on reste dans cette espèce d'ignorance vraiment tragique et mortelle, soit on se ressaisit. Et chacun de nous est interpellé, parce que moi je crois aujourd'hui beaucoup plus à la convergence des âmes et des consciences, oui, au-delà de nos appartenances, oui, historiques, qui font que normalement on n'a pas à dialoguer. Moi je suis du Sahara, je n'ai rien à voir avec toi. Ouais, et pourtant, qu'est-ce qui nous réunit? Ben, ce sont nos âmes. Ouais. Parce qu'autrement on n'a rien à voir ensemble. Donc aujourd'hui il y a nécessité que les âmes, les consciences qui sont constitués par cette humanité, finissent par transcender tout ce qui les divise, politique, religion, machin, truc, toute cette violence inouïe dans laquelle on est, pour aboutir finalement à exalter la beauté de la vie et à être heureux d'être en vie plutôt que d'être dans le cauchemar dans lequel nous sommes. Ouais. Et donc si là, l'humanité a un avenir, c'est de retrouver l'unité de l'humanité. Ouais. En décloisonnant tout ce qui nous cloisonne pour nous rassembler comme une sphère de conscience, comme dirait Teilhard de Chardin, une belle sphère de conscience qui va envelopper notre terre-mère et qui va lui rendre hommage et l'embellir. Waouh, c'est super. Voilà. On a un beau programme devant nous là. Magnifique programme, pas facile. Ouais. Pas facile, parce que ça nécessite quand même qu'on se mobilise, qu'on fasse honnêtement ce qu'il faut faire pour y aboutir. Mais moi, s'il n'y avait pas ce programme dans l'histoire de l'humanité, à terme, s'il n'y avait pas cet objectif, ouais, il y a longtemps que j'aurais démissionné. Merci. Moi, je ne sais pas à qui donner ma démission. Voilà. C'est ça le problème. Voilà, donc on a une mission, ça devient vraiment une mission, sans manichéisme, sans tomber dans le mysticisme ou quoi que ce soit, c'est une mission qui nous est donnée pour que nous fassions de cette planète une magnifique planète à vivre et à s'enchanter. Bien, merci Pierre. Merci à vous. Et continuez.